Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette 8ème vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser les défis de Deadpool. Alors il faut savoir que quand vous aurez terminé ces défis, logiquement vous allez débloquer le skin Deadpool gratuitement, si bien sûr vous avez payé le pass de combat. Alors pour le premier défi de Deadpool de cette semaine qui sera disponible demain, donc vendredi à 16h, logiquement c'est 16h et plus 15h, donc logiquement, le premier défi sera de trouver les deux pistolets de Deadpool. Mais pour ce défi-là, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Là, je vais vous parler du deuxième défi qui est de rentrer dans une cabine téléphonique ou dans des toilettes mobiles pour devenir le plus super des super-héros. Donc bien sûr, qui est Deadpool. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser une cabine téléphonique ou alors des toilettes mobiles. Alors je vais vous présenter l'emplacement d'une cabine téléphonique, mais que je pense qu'il va être surchargé dès que le défi seront disponibles. Donc la cabine téléphonique que je vous parle, c'est le yacht. Après, vous en avez vraiment partout dans la map. Par exemple, à la plateforme, par exemple au requin. Ben voilà, des cabines téléphoniques, il y en a vraiment dans toutes les bases où il y a des acolytes. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller directement au yacht. Parce que justement, je pense que le yacht, il va être transformé. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors moi, j'ai une petite astuce qui va peut-être vous plaire. Parce que dans le défi, il est marqué qu'on peut utiliser les toilettes mobiles pour devenir le plus super des super-héros. Donc moi, mon astuce, c'est de vous indiquer où il y a des toilettes mobiles, justement pour que vous puissiez y aller tranquillement sans qu'il y ait trop de monde. Alors l'emplacement que je vous montre, c'est à côté de Misty Meadow. Il y a 3 toilettes. Donc franchement, si vous utilisez une des 3 toilettes, laissez les autres tranquilles. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui y vont, ils pourront aussi se transformer en Deadpool. Et logiquement, quand vous aurez utilisé la toilette, vous débloquerez le skin Deadpool instantanément. Si bien sûr Fortnite a mis ça en place. Donc votre personnage se transformera directement en Deadpool. Et puis quand vous aurez fini votre partie, vous aurez gagné le skin Deadpool. Je pense que ça se passera comme ça. Alors je vous conseille de le faire en foire d'empoigne aussi. Comme ça, si jamais vous allez à cet emplacement-là et qu'il y a un autre de mes abonnés qui voit cette vidéo et qui va en même temps que vous, on sait jamais, vous serez tranquille si c'est votre allié, il vous tuera pas. Donc voilà, logiquement, vous aurez débloqué votre premier skin Deadpool. Alors, j'ai dit premier skin de Deadpool parce que tout simplement, logiquement, vendredi prochain, on pourra débloquer une variante de ce skin. Donc, c'est le skin Deadpool sans sac à gaules à visage découvert. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver les pistolets doubles de Deadpool. Il y a plusieurs suppositions. Soit vous allez pouvoir les trouver dans la map parce qu'en réalité, ils vont les ajouter en armes sur la map de Fortnite. Donc, vous allez pouvoir les utiliser. On a vu ça dans les codes sources du jeu. Donc, ce sera une nouvelle arme disponible. Alors, soit vous allez devoir les trouver dans les coffres ou simplement la ramasser sur un ennemi, je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on va valider le défi. Il y a une deuxième supposition, c'est que l'arme de Deadpool, donc les doubles pistolets, ne seront pas directement ajoutées dans les coffres, mais seront uniquement récupérables sur Deadpool qui sera logiquement sur le yacht. Parce qu'en fait, le yacht va être pris d'assaut par Deadpool et il va prendre le contrôle total du yacht. Et logiquement, il y a une rumeur qui dit que le boss, donc des acolytes du yacht, ce sera Deadpool. Donc quand vous tuerez Deadpool, vous pourrez récupérer ces doubles pistolets et valider le défi. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudra valider le défi. Et j'ai une troisième supposition pour récupérer les pistolets doubles, c'est tout simplement de les récupérer dans le quartier général. Donc par exemple, dans les toilettes de Deadpool. Mais je pense pas qu'elles seront dans les toilettes de Deadpool. Je pense plus qu'ils seront dans le nouveau repère de Sky. Donc le repère qui sera disponible aujourd'hui. Donc logiquement, je pense que les deux pistolets se trouveront directement dans le repère de Sky. Si bien sûr ils ne se trouvent pas dans le repère de Sky, ils pourraient se trouver dans le repère de Brutus, ou alors le repère de Tentina, ou alors le repère de Miausclé, ou peut-être même dans le repère de Maya. Donc là où vous transformez votre personnage. Ou alors il pourrait peut-être même se trouver autour de la table des défis. Mais moi personnellement, je suis sûr à 100% que le pistolet double de Deadpool se trouvera dans le repère de Sky. Et je tiens à vous rappeler que normalement, vous débloquerez le skin de Deadpool vendredi à 16h et que vous débloquerez la variante de Deadpool la semaine prochaine, donc vendredi prochain à 16h. Donc voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, je vous ferai un tuto quand les défis seront disponibles, donc demain 16h, je vous ferai un tuto. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.
bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh.